La consolidation des marchés boursiers se poursuit. L'américain ICE, Intercontinental Exchange, va racheter pour 6,2 milliards d'euros NYSE Euronext, qui regroupe les gestionnaires de la bourse de New York, de Paris, d'Amsterdam, de Bruxelles et de Lisbonne, et le marché LIF des produits dérivés qui se trouve à Londres. C'est surtout la bourse de New York et le marché LIF qui intéressent ICE, qui n'a pas l'intention de conserver les places boursières d'Euronext qu'il veut mettre en bourse. Cette opération permettra au nouveau groupe de monter sur le podium des trois plus importantes capitalisations boursières mondiale avec une valeur boursière de 11,3 milliards d'euros. ICE est un opérateur boursier spécialisé dans la cotation des matières premières, essentiellement énergétiques, ainsi que dans les produits dérivés. Ce sont des instruments financiers qui offrent la possibilité de se prémunir contre la volatilité des cours. ICE avait déjà fait une tentative de rachat qui avait échoué en compagnie du Nasdaq sur NYSE Euronext. C'était en 2011.